Seigneur, nous sommes bons dans la compo na Yesu. Laisse que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Tozoko banakati ya enseignement na biso, oto bandaki sur les sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Ndambo za lokumu, to tambola ki déjà premier, deuxième, troisième, quatrième. Tokoma ki pe déjà tina cinquième, et l'on a passé en abisso benvindo. Que le Seigneur a pambole sou mingi, pour na nenga bay na kole sa biso pendant trois jours, la semaine passée, lundi, mercredi, vendredi, tout cela qui est édifié. Que le Seigneur le bénisse. Lokole de la ministère ya complémentarité, to lingi koyeba na ko compléter. Parce que c'est le ministère de la complémentarité. Tozoko takaka na katelanga afin d'enrichir les pensées. Oyo, mote inabiso, atambola kimona yango. Que le Seigneur nous bénisse, ton dimisa marake, na katamusala nzambe bitumbeza la rate. Toyeba ko se compléter. Chacun de nous a reçu une grâce particulière par rapport à l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. Ndele to simba, cinquième parole de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Tout bon délit, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps. Tout péché, merci parce que l'intérêt va colober à Tinanayo. Zalan Zambé a colober la biso. Zalan Zambé a colober la confusion, contradiction. Zambé a colober la biso. Koumisa Kombo na katalité a convaincre peuple Nayo que ta parole donne la vie, la solution à tous nos problèmes, la consolation, la paix, la délivrance au nom de Jésus. Amen. Dans le Mukanda ya Jean, chapitre 19, versets 28 à 29, Natangi. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en prirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Ok, que le Seigneur bénisse cette lecture. Awa, tozomona, le Seigneur, na cinquième parole, azoloba, j'ai soif. Donc, il y aura qui posa ya mai. Le Seigneur, il y aura qui posa ya mai, quand il était à la croix. Mais si kaba pesa ya mai, tozomona, bazo pesa ya vinaigre. Azu vinaigre. Amélie, que le Seigneur nous bénisse. Né eloko tulin totala, mukwalo par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a qui posé à mai, a singa bi j'ai soif. Normalement, il va passer mai, mais tout le monde va passer vinaigre. Kolo Yesu apambola biso to ebike, ezana vie de sainteté, ezana tina. Ok. Par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha a bandé pour symboliser Makambo Ebele. Il représente aussi un peuple et il se représente aussi lui-même pour Oazalaki Nzambe. Mais le lot toko simbaye nan loko la aspect à Nzambe, mais toko simbe nan aspect à peuple. Toko simba nan le Seigneur le lot comme un peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est à la croix. Na katia souffrance. Et puis Kobo Sanate à la croix, il était tout un prisonnier. Hein, parce qu'il était arrêté. Comme un prisonnier. À la croix, à la qui na katia passi. À la croix, il était un prisonnier. Mais il avait besoin. Ya seko. Alors qu'il pose à Maï. C'est pour dire que Maï ou Abande Kosenga. Et c'est là qui. Lisungi moko po esunga ena tango wana. Donc nakati apasi azalaki na yango na arrestation lenge bakanga ki wana. Il avait besoin d'eau. C'est pour dire que mai na tango wana ezalaki lisungi moko kwa kusunga epota akina posa akina soif et qui était soif. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons que les autres aussi maintenant le Seigneur comme un peuple. Tout aussi bien dans le corps dans Zambé na nuté pour te recommander peine aspect wana. Mais tout aussi bien dans le corps la peuple. Tout le dit que le Seigneur sur la croix de Golgotha, na kata papas, na kata souffrance, abanda qui peut représenter l'ibota et Nzambe dans cette alliance.
Pourquoi le Seigneur souffre à la croix? C'est parce qu'il avait transgressé la loi. Et là, c'était la transgression de la loi. Mobe konde muteko livré po namukanda ya Jean, je crois chapitre 19, verset 7, Bilobi. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Dieu. Ok, c'est pour dire que il avait transgressé la loi selon les Juifs. Paul Obaki, Azakomi Koksananzambe. Voilà pourquoi il faut matane koulousou agende souffrir. Or, l'okozo talisa, humanité, déchue en Adam, après avoir transgressé la loi que Dieu avait donnée et pas Adam, nous avons vu ça qui est Adam, lia nyoso, mais l'arbre de connaissance du bien et du mal qu'on lia te, moukolo ko lia yango ko koufa. Mais quand Adam, ayabaki nako désobéi na mongongo, yanzambe, aliaki, ezalaki transgression na mobeko nzamba pesaki, ne à cause de cela, l'humanité tout entière kotaki na kati ya souffrance. L'humanité tout entière souffrait à cause ya lisumu oyo Adam ayabaki na kosala. Ndezo talisa ke, tato mona Jésus oyo aza na souffrance ne kulusu. Et hôtel s'appelle l'humanité déchue en Adam à cause du péché d'Adam ou l'humanité azala qui n'a pas. Donc l'ancienne alliance, c'était le temps où le peuple souffrait. Vous voyez pourquoi? À cause de la transgression ou Adam salaki, le peuple était dans la souffrance, le peuple souffrait. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, dans nos marches, nous devons faire beaucoup trop d'attention dans la marche. Évitons que tombe la contrairement. Mais le Bananzambe, pourtant, pour la contrairement, le Bananzambe, et même Makamutunakat a vu à Passi, et Makamutunakat a vu à douleur, et Makamutunakat a vu à Koganga, et Makamutunakat a vu à misère. Faut faire beaucoup trop d'attention dans Katali Kambolo. Et puis, le Seigneur sur la croix, il souffrait, mais attention, n'oubliez pas, qu'Azala Kipe Mokangami, il était tout un prisonnier, et le Salamaki à Kangama, c'était quoi? C'était la transgression. Pour akufa à la croix libretaire, akufa lokola mokangami, lokola prisonnier, et loko salaki ke akuma mokangami, Jean 19, 7, total ici, selon les Juifs, il avait transgressé la loi. Alors cette transgression, ndeko salaki akuma mokangami, que le Seigneur nous bénisse, yango torobi ke l'humanité tout entière, après le péché d'Adam, Bisonyo sope tokoma ki ba captif. Voilà pourquoi Namukanda ya Luc chapitre 4 Tobandina verset 18 tokiti. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été brisés, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Toujours à partir wana. Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est pour dire que dans l'ancienne alliance, bisono sola ki ba captif, to kangé maki. Et loko sala ki to kangama, c'était le péché d'Adam, la transgression d'Adam. Et sala ki ke bisono so to kangama na se ya lisumu. Vous voyez, bisono so sola ki ba captif na se ya lisumu, le péché adamique. To kangama ki na se ya lisumu, to kangama ki na boloko ya satana. Vous voyez, et le Kosala Kibongo, c'était la transgression d'Adam. Et même que l'humanité tout entière n'a qu'à passe. Et même que l'humanité tout entière n'a qu'à boloko. Peuple de Dieu, nous devons faire beaucoup trop d'attention. Demandons à Dieu de nous aider. N'a qu'à marche, n'abisso. Parce que Ebele, l'autre se retrouve n'a qu'à la prison. Il se retrouve dans la situation difficile. C'est parce que n'a qu'à marche, tu veux pas qu'il n'a qu'à transgresser. Contrairement à la volonté et à Nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons faire beaucoup trop d'attention à la marche. Demandons toujours à Dieu la force. Pour que nous devons faire Nzambe dans ma case, nous devons faire Nzambe. Nous devons faire tout à tout le monde qui est Nzambe dans ma case. Nous devons faire Nzambe dans ma case. Nous devons faire Nzambe dans ma case. Et puis pour faire Nzambe, nous devons faire Nzambe dans ma case. Voilà pourquoi nous devons toujours prier. En fait, que le Seigneur nous aide, et à cause de la volonté, la désobéissance,
Les autres me bénissent dans la souffrance, dans la prison, que les Seigneurs bénissent. Si vous remarquez ce qui se passe, les Seigneurs n'ont pas si à Zoganga, j'ai soif. C'est pour dire que Azalagi n'a pas ça à Maï. Maï et ya pour secourir yé, et si ça pose ça au Azalagi n'a yango. Mais si vous avez ça à Maï, ma pèse qui est maïté, ma pèse qui est vinaigre, que le Seigneur nous bénisse. Tout en y écriture moko pour nakoye ba ko expliquer maï oy. Tout en a mukanda ya psaume chapitre 41, tous les versets 1 et 2. Psaume chapitre 41, versets 1 et 2, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Au chef des chantres, psaume de David. Et celui qui s'interrompt, s'il vous plaît, les psaumes 82. Psaume 82, verset 1 à 2. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès, après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Que le Seigneur bénisse cette lecture. Ici, le psalmiste a se comparé à une biche. C'est pour dire qu'une biche, après avoir tambola, après avoir parcouru la marche, a une posa ya mai. C'est pour dire que mote manae, tout bon moinae, a une posa ya mai. David a se comparé, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ici, le psalmiste a comparé Maï na Nzambe. Moni a comparé Maï na Nzambe. Yango to lobi ke tango moni le Seigneur a loba ke j'ai soif. Ezo talisa l'humanité tout entière o to la ki na souffrance na sen alliance na nzela lisumu ya Adam. Mais na kati ya pas wana nos esprits, nos âmes avaient besoin d'eau. Maï o to ki nango besoin. C'était Dieu. C'était le Dieu vivant. Vous voyez? Maï otoki nango besoin. Ezala ki maï anzoto boete. Mais maï otoki nango besoin. Ezala ki nde nzambe ye moko. Cela veut dire, après le péché, moutaba ki nako bungi sa nzambe. Quand l'homme avait perdu Dieu, alors l'homme avait besoin de Dieu. L'homme cherchait Dieu. De Azako expliquer. Ah, ou absolument, ça expliquer. Mon âme a soif de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Yoka ndenge azo continue koloba. Na verset 3. Alobi 42 verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Landa bien. Yoka ndenge azo loba. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est pour dire que tant wazo loba awa azana posa ya nzambe awa azalaki liboso longi ya nzambe te azalaki musika ya longi ya nzambe. Mais ici azo comparer nzambe na mai abi mon âme soupire près de toi. C'est pour dire que dans cette alliance ni li mon abiso azalaki na posa ya nzambe mais alobi bota irege. C'est pour dire, et si ka psalmiste azalaki, ne si ka nzamba azalaki, bazalaki si ka morote. Ça c'est de un. De deux, quand paraîtrai-je devant sa face, c'est pour dire que le psalmiste c'est oazo yemba, azalaki na posa mon elongi nzambe, azalaki liboso longi nzambe te. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, toujours dans le loka liboso. Quand irai-je? Quand irai-je paraîtrai, c'est pour dire que Azalaki Moussika Nzambe et Logozo symbolise l'humanité déchue en Adam. Après avoir Adam, après avoir Kosumuka, Nzambe zo bengana Adam, Moussike Longa Nzambe. Adam zo, Nzambe zo chasse Adam na présence nae. Et zo tel sa ke, dans l'ancienne alliance, l'homme était chassé na présence Nzambe. L'homme était loin de Dieu. Mais côté tokenda qui na errance wana otola ki musika nzambe poto ndi marake na sen alliance
ezalaki taille ya errance soki tolobi bongo eza fruit ya imagination te eza fruit ya imagination te Ésaïe 53 nde mutalobi yango s'il vous plaît tokoluka yango na mukanda ya Ésaïe chapitre 53 s'il vous plaît tozoluka yango na mukanda ya Ésaïe s'il vous plaît Ésaïe 53 verset 6 nous étions tous errant comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de tous. C'est pour dire que l'ancienne alliance était le temps de l'errance. Donc, on s'en va bien à qui Adam, la présence n'a pas eu, tous qui chassaient Nanzela Adam, tous ceux qui n'ont pas d'errance. C'est quoi, Awa, c'est le même que quand il rège, c'est pour dire que quand il rège, donc, tu as dit que ça, Mili Moussoya qui n'a pas ça, il y a qu'au Zonga, et c'est quand on t'a là qui, et c'est quand on va bien à qui bisou. Na présence en Zambé. A continuer pour na koloba, yoka makambu, moyembi, azo loba. Moyembi, azo yemba, azo loba boye. Abi, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Oh, merci Seigneur. Abi, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est pour dire que tango loba boye, azala ki liboswa face en Zambé te. Azala ki liboswa face en Zambé te. Azala ki musika face en Zambé. Mais posons-nous la question. Soka zalaki musika face à Nzambe, azalaki wapi. Parce que nous croyons que dans l'ancienne alliance, l'homme n'était pas devant la face de Dieu, mais l'homme était où? Quand on dit que soki ozali boso longi ya Nzambe te, ozande na mukongo ya Nzambe. Pourquoi nous disons cela? Moïse avait besoin de voir la face de Dieu. A dit si Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui dira que personne ne peut venir, personne ne peut voir ma face. Le Seigneur lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et puis, voici un lieu près de moi, Nakotia Yohana. Mais quand je passerai, Nakotia Loboko Nakosipikayo. Vous remarquez, tant que Nzambe zo leka, Moïse a monaka Nzambe de longité, Moïse a monaka Nzambe na Mukongo. Vous voyez, Moïse a monaka Nzambe na Mukongo. C'est pour dire que l'ancienne alliance, c'était le temps du dos. Exactement, Nzamba pesa ki mutu mukongo. C'était le temps où Dieu avait rejeté l'homme. Mais ici, nos esprits avaient besoin de retourner devant la face de Dieu. Parce que Adam et Eden, ils étaient devant la face de Dieu. Mais tant que Nzamba ont rejeté, mutabalu ki ndena sima mukongo Nzambe. Parce que loin de la face de Dieu, c'est derrière Dieu, c'est dans le dos. Il y a un tour qui est bateau, nion, so bazo, sa la mobeko noir sur blanc, bazana si mokongo Nzambe. Ou batikel na mobeko lelo noir sur blanc, bazana si mokongo Nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, l'homme avait besoin de retourner devant la face de Dieu. C'est pour dire que l'ancienne alliance, l'homme n'était pas devant la face de Dieu. L'ancienne alliance, l'homme était derrière na mokongo Nzambe. Azala ki na musika. Mais il avait besoin de retourner devant la face. Que la Seigneur bénisse. Donc, il lit mon abisso. Et c'est là qu'il n'a pas ça. Il y a qu'au zonga. Il dit bonsoir et l'ongi anzam. Que le soit pas mon abisso. C'est quoi? Et l'ongi anzam, ben ou ezanin? Et l'ongi anzam, ben ezanin? C'est ça le problème. Et l'ongi anzam, ben ezanin? Tout ça, on a mukanda ya Genèse. Tout ça, on a mukanda ya Genèse. Oh, nous allons mukanda Genèse, chapitre 32, verset 30. Genèse 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons compris que la face de Dieu, c'est les salis. Pour le dire que Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est pour dire que la face de Dieu, c'est les salis. Par là, nous comprenons la face de Dieu, c'est les salis. C'est pour dire que le dos de Dieu, qu'on a sali à la rate. Mais sali à la rate, c'est le nyanzambe. Il y a un autre temps où il y a un psaume 40. Tant qu'on a aucune délibération, le nyanzambe, c'est pour dire que nos âmes avaient besoin du sali. Moni, mili mon abisso.
ezalaki na posa ya sali le temps ozomona le seigneur azoloba j'ai soif tango azoloba quand le seigneur azoloba j'ai soif cela ezo signifier l'humanité qui avait besoin de sali qui avait besoin de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qu'est-ce qui va se passer tant que l'humanité avait besoin de sali, l'humanité avait besoin de Dieu. Remarquez ce qui se passe. Bible lobby. Tant que le Seigneur a lobby, nous avons l'écriture, ce que tu as s'il vous plaît, je cherche l'écriture. Ok. Bible lobby boué. Dans verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont pris une éponge et les a fixé à une branche, les op, et ils s'approchaient de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, ok. Moutouana posa maï, mais bakamati vinaigre, bapessier. On t'expliquait le Seigneur comme l'humanité. Tu as besoin de couleur rebellée, mais tout le temps, on a awa, le Seigneur comme l'humanité déchirée en Adam qui avait besoin d'eau. Tu expliquer comment il y a un Nzambe, comme les salis ou l'humanité de la Guinango, besoin que le Seigneur nous bénisse. Bako Kamatasiko, au lieu de pisser maï, mais bazo pisser contraire et loko ya sengaki. Nous croyons que dans l'ancienne alliance, tu bandais que c'est un Nzambe sali. On avait besoin du sali, mais Nzamba pesa kabiso vinaigre. Or, vinaigre, c'est le vin aigre. Hein? Vinaigre, c'est la grande vin, mais aigre. C'est pour dire que, ils ont masanga, vigno, mais attention, gouna ou zala kito kote. Ils ont la yangaï. Gouna ou zala kito kote. Directement, le vinaigre, tous ont comme l'enseignement de la loi. Comme un vin aigre. Oyo, ils ont pinda kito kote. L'enseignement de la loi, l'homme avait besoin de sali, mais nous avons besoin de moto sali, nous avons besoin de vinaigre. Ici, nous avons vinaigre parce que n'oubliez pas le vin, c'est l'enseignement. Le vin, c'est l'enseignement. En détail, nous avons besoin de vinaigre comme l'enseignement. Autant que moto azala qui n'a pas sa sali, au lieu que Dieu sauve l'homme, mais nzamba zo ki ndeko pesa yesu sou mobeko. Mobeko wana nzamba pesa ki, tango mobeko zo ya, ezala ki na mako ki a ko sauve moto te, donc mobeko wana, ezala ki malam te. Tozi mukanda moko, pona ko tali seloko yo. Tona mukanda ya Ezekiel, chapitre 20. Ezekiel, chapitre 20. Verset 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Baneli, Ézéchiel 20, 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Awanza mimum tazoloba. Na pesa ki bango, ba précepte, ou zala ki malamte. Ba ordonnance oyo ba kokaki kobika na yango te que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que l'homme avait besoin de sali, mais Nzamba pesa mobeko. Mobeko wana tango yaki et kokaki kobikisa te. C'est ça le vinaigre. O ba opesa le Seigneur par rapport ya peuple et tel ça la loi. La loi ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi le Seigneur a dit mobeko échanger. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi la loi est singela qui est bon wana. Koloé sou apambola biso. Malheur na bande konyoso oyo ti lelo. Batigalika na mobeko. Malheur na bango. Parce que mobeko wana zina makoyo ko sauvete. Hébreux 7, 11 zoloba. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, vous regardez zoloba. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, c'est pour dire que la perfection n'a qu'à les sacerdotes lévitiques, c'est là qui possible était. Or, quand on voit les sacerdotes lévitiques, nous voyons la loi. Hébreux 7, 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Au moins, mon béco, est-ce qu'elle a commémoré
la perfectionné. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi Nzambe esengela ki naye ayeba na kobongola mobeko. Que le Seigneur nous bénisse. Nzambe esengela ki ayeba ko longola mobeko pote mobeko etikalaka kubikisa te. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, mobeko etikalaka kubikisa mutu te. Kolo Yesu apambola biso. Ah, mobeko atikalaka kubikisa te. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok, le Seigneur avait besoin d'eau, mais bazo pe saye, eloko msusu, oyo ye asenga kite. Hébreux chapitre 16, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Hébreux 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ah, c'est pour dire que la loi était inutile. N'est-ce pas pour Zoloba? À cause de son inutilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la somme de noir sur blanc. Parce que cette loi, et bien qu'il n'a comme ma perfection, cette loi, et bien qu'il n'a comme ma salité, cette loi, et bien qu'il n'a qu'au sauver, que le Seigneur nous bénisse. Donc, dans la loi, nous avons pris ça qui biso et loco to bandai ko lukate. Biso to senga ki, toi qui n'a besoin de sali, nos esprits avaient besoin de sali, to bandai ko likia ko le la, mi libre, nous bandai ko plere li boso nae, ko luka sali, ou eza mai. Neye a pesa ki biso loko msusu par rapport loto wande ko senga se pou di ke loko tondo ko senga ya pesa ki biso ya ngote. Donc a sen alias mobimba le sali e zala kite. Ke le Seigneur Jésus Christ nous bénisse. Ok, toto tali sango na écriture moko ao. Po Nzambe alobaka eloko moko me na ba manyere bele. Yo ka ye moko le Seigneur ndenge aloba ao. Yokai moko le Seigneur ndenga zoloba tozana mukanda ya s'il vous plaît yokai le Seigneur yemonde ngazo tozana mukanda lik chapitre 11 verset 10 à 11 alibi boye car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11 lik 11 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tous ceux qui ne sont pas là. Ah, c'est le Seigneur qui parle. Abi papa nini, oyo, ce qui moi nanaye, akosengaye, lipa, yakopesaye, libanga. Nasa kitia le bi, si donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison? Ok, nasuki wana. Awa le Seigneur azolo bake, tata nini kati na bino, soki mwa na naeza na posa ya libanga, ye, akopesa ye, eso mwa na sengye lipa, ye akopesa ye, libanga. Se pou di ke un bon père, soki mwa na nae, a sengye lipa, ye akopese lipa, ye akopese libanga te. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Or, l'ipa, c'est quelque chose qu'on mange. Mais la pierre, ezeloko baliakate pour le libanga nengeni. Que le Seigneur nous bénisse. Tant le Seigneur a zo lobaboye, attention à bandai komi lobela. Parce que surtout toujours que le Seigneur, faut toujours kaye bien. A bandai komi lobela. Parce que c'est lui-même qui est le Seigneur. A bandai komi lobela. C'est pour dire que, mwana tangwa osenge pa papa lipa papa kopese libanga te po libanga bali angote mais surtout on dit maker n'ancienne alliance to senga kanzambe lipa minza mapesa ka biso lipa te minza mapesa ka biso libanga n'ancienne alliance. Donc dans l'ancienne alliance Dieu nous avait donné la pierre. Or libanga ezeloko mutoko ko lia te ezeloko za dire na munoko mutoko ko lia angote. Ici, je prends la pierre comme l'enseignement de la loi. Vous voyez? Toujours la pierre comme l'enseignement de la loi. Mais, toujours là qui n'a pas ça y a l'ipa. Potolia,
pour me limer la chose à ma casse, pour me limer mon abisso et vivre. On avait besoin de pain. Que le Seigneur nous bénisse. On avait besoin de pain, mais nous avons besoin de pâté, besoin de banga. Ok, nous avons besoin de pâté, nous avons besoin de banga. Ah, le banga est le logo au relier en dehors. Namunoko, au relier en dehors. C'est ça l'enseignement de la loi que Dieu nous avait donné. Mais cet enseignement, qu'au lier en haut, ils avaient quoi accomplir? Qu'au lier, ils avaient pas accomplir. Parce que le Seigneur lui-même dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour dire que Kolia, il a pu accomplir. C'est pour dire que Moutoué Kolia Libangate est tel que dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait accomplir la loi. Bien que Nzamba Pesakibiso Yango, mais Moutoué Kokisa Yango, la loi était là, mais la loi était dure. Moutoué Kokisa Yango, ça l'a quitté. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous donne le pain, mais Pesakibiso Nanou. Libanga. On a vu que Libanga, c'est l'enseignement de la loi. On a vu Libanga, l'enseignement de la loi, le col à vinaigre. Oui, moutoukoye na koko ki sate. Que le Seigneur nous bénisse. A pesa ki bisonanou. La loi. Or, mobeko, moutoukoye koko sa yangote, et koka ki peko bigi sate. Que le Seigneur nous bénisse. Il fallait qui, aya ko changer, aya ko pesa biso lipa. Que le Seigneur nous bénisse. Y'a on ton dit maquè, le pain, c'est ça, aujourd'hui, le pain. C'est ça les salis, les pains. On a besoin de payer sa bisso pour milier mon abisso et bika. C'est le Seigneur. Comme ça, on a témoigné que je suis le pain qui est descendu du ciel. Que le Seigneur bénisse. Je suis le pain qui est descendu du Seigneur. Ah, ton côté lié sur ma cambouté. Il est mort sur mon talobi. Abi, je suis le pain. Tout le kayango. Et ça, namukanda ya Jean. Que le Seigneur bénisse. Et ça, namukanda ya Jean. Koko se liye makambu te, po koko se liye makambu, isa mabe makasi. Ok, Jean 6:35, albi, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jean 6:41, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 6:48, je suis le pain de vie. Moni, Jean 6:51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ok, nous avons compris que le pain, c'est le Seigneur Jésus. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Pour nous comprendre Jésus, tous à la macomie, ok, tous à la macomie, tous aux ongles quelque part, tous aux ongles quelque part, que le Seigneur nous bénisse, au limbici, tous au luka, écriture moko, ou isa koulobela, Jésus, ok, Luc chapitre 2, verset 30. Non, Narobanda na verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste des pieds, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Nous avons compris que le salut, c'est un homme, c'est Jésus. Or, c'est Jésus-là, c'est le pain. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un autre dit que, au lieu, le Seigneur a pu s'abuso lipa, a pu s'abuso na liboso libanga. Libanga, toujours comme l'enseignement de la loi, que le Seigneur nous bénisse. Toujours comme l'enseignement de la loi. Donc c'est pour dire que premièrement, il nous avait donné le pain, la pierre. Après la pierre, aujourd'hui, il nous a donné le pain. Or le pain, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus. Or Jésus, c'est le Luc 2:30, c'est le salut. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est pour dire que le lot, nous avons appelé Sibiso salut. Donc, nous avons mis la marche, et tamboli à Nzambe, et tamboli à Bissobatu, et Kesseni. Vous voyez, nous avons mis la tamboli à Nzambe, et Kesseni, et tamboli à Bissobatu. Azo bandana nous, na mobeko, à quoi y'a qu'on ça, na ngolu, il commence par la loi, à quoi ça, na ngolu. Nzambe, à ça la kapose à moutouté, Nzambe, à ça la kapose à nae, pour pose à moutou, na pose à Nzambe, ko kanakate. La Bible dit, comme les cieux et la terre, ils ont séparé de même nos pensées
ezalaka séparé namakanisa nzambe que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi celui qui veut réussir dans la vie et Seigneur la bonne de la nzambe en fait que nzambe révélé pensée nae. Celui qui marche selon la pensée de Dieu réussira dans tout ce qu'il fait. Celui qui découvre la pensée de Dieu dans sa vie, c'est un vainqueur. Celui qui découvre la pensée de Dieu dans sa vie, réussira toujours. Mais celui qui ne découvre pas la pensée de Dieu dans sa vie, et vous allez moi passer pour aïeba n'a réussir. Surtout celui qui marche selon ses propres pensées, il va échouer. Parce que les pensées de l'homme, et magamutuka na shit. Les pensées de l'homme, et magamutumusika nzambe. Les pensées de l'homme, et magamusika na perdition. Vous voyez, l'homme avait besoin d'eau. Mais nzambe a pesa ki yena nou maite. Nzambe a pesa ki yena nou vinaigre. Parce que Dieu savait qu'un jour, a kopé sa e maï. Kolo yesu apambola biso. Remarquez ce qui se passe. Dans Jean chapitre 2, vous remarquez que Zalaki na fête moko. Jésus pas Zalaki est invité na fête wan. Mais qu'est-ce qui se passe dans la fête? Nde verset ba soular, ba zoa, ba bata melaka awa pour accomplir leurs désirs. Remarquez ce qui se passe. Masanga ezalaki wana ba mela masanga. Donc vous voyez ngo ezana mukanda ya Jean chapitre 2. Remarquez ce qui se passe na fête oyo. Dans Jean chapitre 2. OK. Trois jours après, il y dénonce à Cana à Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur répondit, « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. » Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée à vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on y enivré. Toi, tu as gardé les bons vins, jusqu'à présent. Que le Seigneur nous bénisse. Telle fille à Cana, à Galilée, les premiers miracles, hein, les premiers des miracles qui fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crièrent à lui. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Ici, vous pouvez remarquer na fête yo, masanga zalaka mibale, masanga ya liboso, na masanga ya mibale. Mais vous pouvez remarquer Moutou azoloba, ordonnateur de repas azoloba ke, moutou nyonso, a servir nan masanga ya malamu liboso, bongo akoyeba ko servir masanga ya malamu sima, hein, a servir nan masanga ya malamu liboso, bongo akopesa masanga eza moins bon na sima. Mais yo makamuni no sali, okamati nan masanga ya malamu obombi, ozu masanga neti ya malamu penzate, ndo pesi batu liboso. Vous voyez la marche de Dieu? Ça c'est la marche de Dieu. Azuna no masanga ya malamu abombi azisuko masanga moya neti neti ndapesi peuple sikoyo yemo kwa yebi nzambe yemo kwa yebi masanga yana oya neti neti osilo tanke yangweza nanu moye masanga ya malamu ya ezate je garde ça quelle sonne bes je garde ça il faut no masanga oya neti neti et si là oza moye bon et si là nde nzamba kuzasi ko masanga oya malamu bon vin ndakopesa et pa peuple que le Seigneur nous bénisse. Ça nous montre la marche de Dieu. Il commence par ce qui est moins bon pour que nous souks na ce qui est bon. Or les premiers vins étant saka l'enseignement de Moïse étant saka la loi oya ki liboso oyezala ki moins bon ya ngonda ki liboso. Ça c'est la marche de Dieu. Mais Dieu savait a opesa na bongo mais kusuka bongo te a oya kopesa vin ya malamu na sima. Or biso tozalaka na posa oya liboso wana te. Biso tozalaka na posa ya sali, biso tozalaka na posa ya bon vin. Me nzambe na kata marche na e abandaka nanu kupesa nanu owana ki e mwe bon vinaigre ki e la loi. Mais attention,
Akusuka bongote na suka akwa kopesa le bon vin. Ici nous prenons le bon vin aujourd'hui comme la grâce, comme le salut, comme la vie éternelle où le Seigneur a joué kopesa na sima après avoir donné les moins bons. Que le Seigneur nous bénisse. OK, après avoir donné les moins bons. Kolo Yesu apambola biso. Ça c'est la procédure de Dieu. Nzambe atambola kalokola mutute. Nzambe atambola kalokola nzambe. Makanisa nzambe na makanisa biso batu ekeseni. Que le Seigneur nous bénisse. OK. Tukusuki saboye pona koloba par rapport ya marche na biso lelo. Lelo tukusuki sa na marche na biso pona koloba ke nzambe ayebi. Même dans ta vie, nzambe ayebi. Ndenga otambwisa yo. Ndenga totambwisa ngai. Mais notre problème ezaka tuluka tout moment tous demeurer na kata volonté nae, tous demeurer na kata présence nae. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu commence premièrement à donner ce qui est moins bon. Après, Hawaya coupé ça, ce qui est bon. Ça, c'est la marche de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'aime Dieu. Nous avons besoin de façon à nous. Il y a Israël a coquille jamais rencontré dans Cana. Ceux qui a eu bien passé dans la catalyse. Premièrement, Israël, il faut aller là. Nous avons eu Cana. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le désert. Oui. Premièrement, Israël, il faut aller Canaan na kati ya désert. Bongo akokota na Canaan. Mais vous remarquez, na kati ya désert, tant Israël atambwa na kati ya désert, vous remarquez, bakoyebisa Moïse boye. Mais yo, omemi biso na kati ya lisobe, esika o vigno ezate. Omoni, c'est pour dire que les chemins, o nzambe azomemela Israël, c'était le chemin du désert. Or, dans le désert, il n'y avait pas de vin. Mais le vin se trouvait où? Le vin se trouvait à Cana. C'est pour dire qu'avant Israël, qui ne commet là, nous vin, où est-ce à Cana? Premièrement, Israël doit passer par le désert, les lieux où il n'y a point de vin. C'est pour dire que pendant 40 ans, Israël est dans le désert. Il y a Moïse qui est lié au même bisou Moïse. Et ça lié au vigno et zate. Or, vigno, et ben, d'où c'est la bango, vigno, et ben, d'où c'est la bango na Cana. Et puis, gloire à Dieu, vigno, où c'est la bango na Cana, et ça vigno au bango ba l'unité, et ça vigno ba okutakuna. Or, vigno, selon mukanda ya juge. Selon mukanda ya juge, chapitre 9, juge, chapitre 9, verset 12. Et les arbres dirent à la vigne, viens-toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Ah, nous avons compris que les vins, et c'est pour les sarandés, motema yanzambe, et motema yabatu. Par là, nakatia vigno, nous voyons quoi? Nous voyons la réjouissance. Moni, nakatia vigno, nous voyons la réjouissance. Ok. Psaume 104, verset 15. Psaume 104, verset 15. Les vins qui réjouit le cœur de l'homme. C'est pour dire que Masanga, et c'est pour ça que nous oh, par là, nous comprenons que les vins, c'est la réjouissance. Mais tant que mon Israël a eu le sobe, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Moïse. C'est pour dire que, dans le passage, vin comme la réjouissance, ils allaient quitter. Mais Dieu leur gardait la réjouissance où? Na Cana. C'est pour dire que pendant 40 ans, les Canaan bongo, mais beaucoup ta réjouissance na Cana. Et puis, babi beaucoup mais là-bas, vigno, oyo bino bolo na quitté. Bah, tout moussounde balone la kibino. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, je prends aussi le désert, comme le temps où Nzambe aye brana ko lekisa moutou. Moni, ta où Nzambe zo lekisa moutou, ta moko difficile. Oyo vin zate, cela veut dire esengwe zate, réjouissance zate, mais komi tungi zate, kane zali. Si tu passes par le désert, yeba ki nzamba bandara bongo, après mettre na vinaigre ya liboso, bandara bongo, après mettre na vinaigre ya liboso, akope sa maïsima. Après mettre na lipe ya liboso, libangi ya liboso, akoyeba na kope sa lipasima. Ça c'est Dieu. Après mettre na ke le vin moins bon ya liboso, akope sa vin malamu sima. C'est ça Dieu. C'est pour dire que Dieu permet premièrement que l'homme puisse passer par les déserts. Après les déserts, il a les Cana. Dans les déserts, au moins la vie notée, cela veut dire réjouissance et athée. Mais attention,
quand tu arriveras na kana kuna na kana okuta réjouissance eloko na osepela nango réjouissance donc vin okuta kuna eza oyo lonité eza pe oyo kolona te mais okuta basi balona yango. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la vie chrétienne, persévère, marche avec le Seigneur, n'abandonne pas, ne recule pas, quelles que soient les difficultés, marche avec Dieu. Vigne za liboso zelayo. Vigne wana mutoloni yango tata mosi na binote. Vigne wana mutoloni yango eza noko na yote. Vigne wana mutoloni yango eza muta mokilite, Nzambe ndaloni yango. Peuple de Dieu, tu dois savoir une chose. Dieu avait promis à Israël les vins. Dieu leur avait promis les vins. C'est pour dire que loko la kaneza promesse vins akuna. Otozwa kana comme toutes les bonnes promesses que Dieu nous a promis sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu lui-même sera l'auteur de notre joie. Dieu lui-même sera l'auteur de notre réjouissance. Voilà pourquoi koko talojite, ko simba kisite, koko tanda wangangate, ko zwango na tamukie, un jour obela liboma, ko katabilamba. Disonga mukileza na tina mokote balanda yango basuka ba waboma balanda yango bakata bilamba balanda yango bakota mabele avant balanda yango bakenda ba prison pour nakuluka disonga mukile oh mais nous nous savons que kana na biso ezali na kana wana vinu ezali et puis vinu na tsuru melawana nzambe nde mutolona yango c'est pour dire que nzambe mondaza otera réjouissance pour na vina que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mais ton problème, c'est de persévérer avec Dieu. Ton problème, c'est de rester ferme dans la marche avec Dieu. Ton problème, tikalaka sous la nuée. Ton problème, tikalaka nasé ya colonne de fée. Landa nzambe nengazo kambayo. Landa litea tikala na yango. Un jour, okome la vigno na kana. Cela veut dire un jour, okote la promesse nzambe. Un jour, okome la vigno. Nzambe ye mokonde mutaloni yango. C'est pour dire que nzambe ye mokaza vigneron. C'est pour dire que un jour, nzambe ko sekisayo. Un jour, okome na kembo ya nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu commence comme ça. A l'église boye, mais après, okende okome na kembo na ye. Vous voyez? Vigno. Joseph azolota vigno. Na Genèse 37. Alota ki vigno. Nzambe atali se betoile, atali se bajebre. Cela veut dire, à l'autre, bazo gumba melaye. Ça, c'est le vin, la réjouissance. Mais, pour akoma na niveau de réjouissance wana, nzambe se kenaka leksé dans la désert. Désert wana, en abande konaye, koko se le makapa mwasa potifar, koko ta na prison, mais souka souka, akokoma na vigno nae, oza réjouissance, ou nzambe bongisa po nae. Akweba na komela, akweba na kosepela. Marchons avec Dieu, la réjouissance est devant nous. Dieu, dans sa façon de marcher, atambo na kaloko la mutute, akobanda na vinaigre, mais keba kembo ya na sima. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu permettra que les kanabatamu ko difficile, mais oyoyo sengelo sala quand il passe dans les temps difficiles, eza obate la relation na Nzambe, obate la bomoko na Nzambe. Que tu sois avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu es un homme erré. Soko zana nzambe, ata batu nyoso batikiyo, mais soko zana nzambe, oza mutesengo. Mais oko zana batu bele balingiyo, mais soko zana nzambe, toza mutamawa. Batu nyoso bako lingawa, babeti lako maboko, lo bakama kama bien pona yo, mais soko zana nzambe, te, oza mutamawa. Mais oko zala yo moko batu balingiyo, te bawa fingo, bawa kritiko, mais soko zana nzambe, tu es un homme erré, kanga manae. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Tu as dit que tu as dit que Israël a dit que Moïse et si comme Mimi Bissoua, ils ont vignoté. On a des erreurs. Et ils ont vignoté. Prophétiquement, nous disons, aujourd'hui aussi, nous sommes dans les déserts. Nous sommes des passagers sur la terre. Cana, c'est le ciel. C'est pour dire que sur la terre, tu as 20, mais 20 à Bissou. Attention, on a aussi le plan prophétique. Vena biso c'est le cana. C'est pour dire que les lots biso ko se réjouir na mandenge ba panye ba réjouir ça que les panyens peuvent se réjouir na bisengwa mukili nde bazomona ou ba sala sala wana mais nous attendons notre vigne dans le ciel. Vous voyez, nous attendons notre vigne un jour to kokota kuna un jour to kosepela parce que esengo to kozana ngo mukolo wana eze esengo oyo. Et tikala kozala te, et sengo mona sia mabele te kutikala koka na sengo wana. Voilà pourquoi tu peux tout manquer sur la terre, mais ne manque pas ce rendez-vous.
C'était rendez-vous sacré, c'était rendez-vous de bonheur. Où le Seigneur l'a biso tout l'ikia, comment on a yango, que le Seigneur nous bénisse. Quelles que soient les difficultés, ce que nous devons faire, c'est que Seigneur Nzambe, après c'est ma case, parce que la ma case, c'est 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 ma case. Voilà pourquoi nous devons toujours demander la force à Dieu à soutenir biso. Enfin, que tous en vigne ou en athée, donc tous en réjouissance à mon colo ou en athée. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok, le la cinquième parole de Jésus, tout simple dans nous envoyer sous le col à peuple. Voilà qui n'a pas ça à sali, sali, mais ça qui est vinaigre, oyo, et ça nous mon déco. Que le Seigneur nous bénisse. À tous en introduction dans ceci le cinquième jour. Par la grâce de Dieu, tout va nous continuer. Tokusimba Yesu na lokola peuple. Tokusimba yepe lokola nzambe na ba facette na ebele. Laisse que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit accordée. S'il a des questions, posez par la grâce de Dieu, tout va nous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Ben numéro de M. Zali, plus 243-89-860-88-75. Numéro M. Souza, plus 243-99-88-77-333. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.